Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. La stabilité. Une personne qui... Bon, un peu frustrée. Peut avoir, vous voyez, comme pas mal de pensées, hein. C'est envahissant, envahissant, hein. C'est embêtant. Comme une personne, vous voyez, qui a un peu du mal en ce moment à détacher son regard de vous. Je sais pas pourquoi et je pourrais pas te l'expliquer. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... Même si elle lutte, hein, contre ses pensées, cette personne, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire et c'est frustrant. C'est embêtant. Hein. Chaque fois, je me dis, il ne faut pas que je pense à toi ou il ne faut pas que je pense à ça. J'y repense. On a réellement, vous voyez, comme une personne qui se sent très mal en plus. Hein. Il ne faut pas que je pense à toi, quoi. Faut pas que je pense à cette situation. Mais... Une personne qui a déjà un foyer. Une personne qui peut déjà avoir une famille. C'est pour ça qu'elle pense comme ça. Une personne qui essaie de tout refouler, vous voyez? Une personne qui essaie de tout garder à l'intérieur. Je peux pas faire ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus fort que moi. Il y a une personne, vous voyez, qui agit et qui vit comme coupable. Et pourtant, les pensées, ça ne se voit pas. Enfin. Hein. Mais je me sens mal, tu sais. Et je me sens mal quand je pense à toi parce que c'est comme si, ben, autour de moi, les personnes avaient peut-être la capacité, tu sais, comme de le ressentir, de voir que je suis un peu ailleurs. J'ai un peu la tête dans les étoiles. Alors je tente de rester droit, tu vois. Je tente de ne rien laisser transparaître. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu m'as dit. Tu sais, comme une personne, tu sais, quand elle pense à toi, c'est avec un grand sourire, tu sais. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Hein. On a vraiment cette impression que... Il y a eu des révélations. Tu lui as avoué quelque chose. Tu lui as dit quelque chose. C'est une personne qui est restée bloquée dessus. Je suis en mode, mais pourquoi t'as dit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est comme une personne qui est déconnectée en fait de la réalité, de ce qu'elle vit en ce moment, et qui est totalement, tu sais, comme je suis sur toi, là je suis bloquée. Tu lui as dit quelque chose qui... sais, c'est un truc qui l'a marqué, c'est un truc qui est resté gravé, c'est... Tiens, regarde ça, hein. Ouais. On a réellement une situation, vous voyez, où... C'est comme si vous incitez, voyez, comme la personne en face de vous à lâcher prise en fait. Je sais pas sur quoi, mais c'est comme si vous lui avez sorti lâche prise. Arrête, arrête, arrête. J'ai l'impression que c'est quelque chose, tu vois, qui a pu surprendre la personne en face de vous. Et pourtant, toi, tu vas te dire, attends, mais c'est anodin. Je dis lâche prise, arrête. Et pourquoi éventuellement? Ça la met dans tous ses états. Ben attends, c'est exactement ce qu'on va voir. C'est comme une personne qui arrive à t'identifier, tu sais, comme une personne sage. Tu sais, pourquoi tu m'as dit ça? C'est comme si tu as tenté d'expliquer quelque chose à quelqu'un,
La personne, elle n'a pas capté sur le moment où tu lui dis, vas-y, t'inquiète, tu vas comprendre après ou tu verras après. Puis elle est en train de voir maintenant. Et du coup, ça fait sourire, tu sais, quand elle repense à toi. Donc on a quelqu'un qui, là, en ce moment, tout de suite, est bloqué sur toi. Hein. Bon, je te dis ça comme ça. Personne bloqué sur toi. On a vraiment cette impression ici que c'est une situation où, tu sais, j'ai beaucoup douté de toi. J'ai beaucoup douté éventuellement, tu sais, de ce que tu me disais, de ce que tu me racontais, de... Je sais pas. Comme une personne qui avait cette sensation, cette impression que... Non, je ne vais rien voir, ou je ne vais rien comprendre, j'ai toujours rien compris, et au final, ben, ça vient tout seul. Donc on a vraiment cette impression ici que c'est comme si tu lui avais partagé quelque chose d'essentiel. On a quelqu'un, tu sais, qui peut vivre hein, depuis un bon moment maintenant, hein, pas mal de difficultés, on va dire, dans sa vie. Une personne à qui tu as montré que c'est pas la peine d'aller vite. Prends ton temps. C'est pas la peine de te précipiter. Prends le temps de faire les choses, tu comprendras pourquoi. Je sais pas pourquoi tu as sorti ça, hein, toi. On a une personne qui se laissait emporter par votre relation. On a une personne éventuellement, vous voyez, que, à qui vous avez laissé entendre que, tu sais, là, comme ça, on peut pas avancer. On ne peut pas avancer tant que toi-même, tu n'as pas réglé, on va dire, comme ta situation familiale. Toi, tu ne peux pas comprendre éventuellement. Qu'on ne peut pas partir ou se lancer dans une nouvelle relation. On ne peut pas se construire sur des mensonges, sur des choses comme ça. Puis là maintenant, je vois que tu es sincère et que tu es honnête en fait. Comme une personne qui t'a écouté sans... Elle a entendu ce que tu as dit. Après, je ne sais pas si elle a écouté. Hein. Et puis c'est maintenant. C'est vrai parce que tu aurais pu continuer à accepter qu'on se voit. Tu aurais pu continuer à accepter qu'on échange et qu'on discute sans prendre en compte hein, ma famille, sans prendre en compte les personnes autour de moi. Oui. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui me montre et c'est ce qui me prouve que tu mérites bien mieux. Que tu n'es pas le genre de personne à vouloir détruire, piétiner, rendre malade hein, pour avancer. Tu sais, je voyais pas les choses comme ça, moi. Il y a comme une personne, vous voyez, qui tombe amoureuse de vous, mais c'est un peu bizarre, tu sais, cette façon peut-être que je vois de voir les choses que j'ai, mais on a l'impression que avec du retard, je t'aime ou je prends conscience éventuellement de qui tu es avec du retard. Comme une personne, tu sais, qui pensait que quand tu lui disais quelque chose, c'était juste parce que tu voulais la voir à tes côtés. Parce que tu voulais qu'elle fonctionne avec toi. Comme si tu disais des choses, mais juste pour dire des choses. N'avais rien compris. En fait, je réalise que c'est moi qui ai été dans le mensonge. Je réalise que... Ta façon de faire ou ta façon de voir les choses, ben. C'est vrai, je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment se construire. On a quelqu'un qui est en train de voir les choses là tout de suite maintenant. Donc on a une personne qui ne cesse de penser à toi parce que tu n'as jamais essayé de lui forcer la main. Tu ne l'as jamais poussé à faire quoi que ce soit. Quitte ça, viens là, fais ci, non, fais ce que tu veux. En tout cas, moi, pour le moment, je ne vais pas t'attendre. Aujourd'hui, elle fait sa petite introspection, elle réalise elle-même qu'elle a envie de venir à vous. Elle fera le nécessaire elle-même. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.